Before I start, let me do something that's a tradition at Orange. I'll do my own self. This is done. Monsieur le directeur, chers parents, chères familles, chères étudiantes, chers étudiants, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation qui m'offre l'occasion de voyager dans le temps lorsque j'étais à votre place, à quelques kilomètres d'ici, sur les bancs de Polytechnique. C'est avec enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'espère qu'après ces années intenses, rythmées par les nouvelles amitiés, les campagnes, les pots, paraît-il, et enfin le class gift, et puis votre dernière soirée, il vous reste encore assez d'énergie pour vivre cette cérémonie et faire des adieux dignes de ce nom au campus. Je voudrais d'abord vous féliciter, bien sûr, pour l'obtention de votre diplôme. Bravo, car c'est un aboutissement. L'aboutissement de quelques mois ou de quelques années sur le campus, mais surtout l'aboutissement de nombreuses années de travail, d'assiduité et de détermination. Prenez le temps de savourer ce moment, car c'est un accomplissement dont vous pouvez être fier. Alors, je vais commencer par partager avec vous quelques enseignements personnels en français, et puis je continuerai mon propos en anglais. L'excellente nouvelle, c'est que vous n'êtes qu'au début de l'histoire. Vous posez aujourd'hui le point final d'un chapitre important et commencerez dès demain à écrire une nouvelle page. Vous pourrez rejoindre une entreprise ou la créer, rejoindre des institutions publiques, des ONG ou des associations. Vous pourrez travailler dans le monde de la finance, du droit, du conseil, ou dans celui de la transition environnementale, dans l'industrie, dans l'agriculture, l'intelligence artificielle, ou l'éducation, le sport, l'art, le bâtiment, l'économie sociale et solidaire, et pourquoi pas dans celui des télécommunications. Oui, pourquoi pas, après tout. Certains le font. Vous rencontrerez au cours de votre carrière des personnes très différentes. Vous exercerez sûrement plusieurs métiers, vous contribuerez à faire progresser certains sujets, comme l'égalité homme-femme, par exemple. Quel programme ! Alors oui, les possibilités sont vastes, et certains d'entre vous se posent sûrement beaucoup de questions. Quelle voie choisir ? Quel métier apprendre? Quel équilibre trouver? Je vous rassure, vous n'aurez pas de réponse tout de suite, en tout cas ni complète, ni immédiate. Et c'est pour cela que je vous encourage à continuer d'explorer, à tester, à essayer de trouver ce qui vous plaît, vous, et qui vous rend heureux, vous, ce qui vous fait vous lever le matin. Je vais vous parler de ma première expérience, bien loin des bancs de l'école, au 526e régiment du train de l'armée de terre. J'avais à l'époque 20 ans, et pendant plusieurs mois, j'ai appris à marcher au pas. J'ai pris l'habitude de porter l'uniforme, kaki, et j'ai encadré un régiment de jeunes issus de tous les horizons, de toutes les régions de France. Cette période m'a beaucoup marquée et je m'en rappelle encore comme d'un moment fondamental de ma vie. J'y ai appris l'engagement personnel et collectif, mais aussi la solidarité
et l'humilité. À la fin de mes études, j'ai rapidement rejoint l'univers des grands groupes industriels où j'ai eu la chance d'occuper des postes très différents, dans le financement de projets, en tant que commercial ou dans les ressources humaines. Je me suis toujours beaucoup investie et je ne me suis jamais ennuyée, chaque expérience venant compléter les précédentes. J'ai appris plusieurs métiers, j'ai rempli des missions transverses et d'autres plus verticales, j'ai managé des équipes diversifiées, des cadres supérieurs, des techniciens, des Français, des non-Français. Ces années ont toutes été riches en émotions et en enseignements, et je vais en partager quelques-uns avec vous. Le premier, c'est l'importance de savoir se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses contraintes et ses objectifs. Croyez-moi, quand on a été au contact direct des clients et de leurs exigences, quand on a eu la charge de projets transverses requérant la collaboration de plusieurs équipes, quand on a dû négocier des contrats stratégiques, on constate que les différentes équipes n'obéissent ni aux mêmes logiques, ni au même calendrier. Et pourtant, le rôle de chacun est déterminant, et sortir de sa ligne de nage, comprendre le job de son voisin, c'est vital pour créer un collectif et définir un projet commun. Une conviction n'a cessé de se renforcer tout au long de mon parcours, c'est la place fondamentale de l'humain, car oui, une entreprise, une organisation, c'est avant tout des femmes et des hommes. Quand j'ai été nommée directrice des ressources humaines d'Alcatel-Lucent à 36 ans, peu après la fusion des deux entreprises, j'ai pris toute la mesure du poids de ces mots. Ce fut une période très difficile, une mission extrêmement compliquée et les décisions prises étaient lourdes de conséquences. Alors, parmi les choix que vous aurez à faire dans votre carrière, les plus importants seront les choix humains. Ils touchent à l'intime. Ils ne s'apprennent dans aucun livre. Et leurs implications ne se mesurent qu'à long terme. Qui recruter? Avec qui m'associer et pourquoi? À qui confier ce projet? Quelles sont les motivations de chacun de mes collaborateurs? Qu'est-ce qui les rend fiers? Qu'est-ce qui les rend heureux? Au-delà des plans stratégiques et des présentations financières, ce sont au fond ces questions humaines qui sont les plus importantes pour faire vivre une entreprise. Chaque étape de ma carrière m'a aussi permis de toujours apprendre. Apprendre à négocier, apprendre à vendre, apprendre à manager, comprendre de nouvelles technologies. Je ne compte plus le nombre de personnes bien plus compétentes et plus spécialisées que moi qui m'ont aidée. C'est une grande source d'humilité. À l'heure où vous terminez vos études, gardez en vous cette soif d'apprendre. Soyez humble et évitez le piège de croire que votre diplôme vous place au-dessus de la mêlée. Observez celles et ceux qui ont plus d'expérience, écoutez les conseils que l'on vous donne, acceptez la critique, posez des questions, c'est l'unique manière de continuer à grandir tout au long de sa vie. Un autre piège à éviter sera celui de la certitude, car notre monde est de plus en plus incertain et se transforme sous nos yeux. Cela impose d'être attentif, réactif et de savoir se remettre en question. Je ne vous apprends rien, vous en avez fait l'expérience vous-même. Entre 2019 et 2023 seulement, la durée du cursus à HEC pour certains d'entre vous, nous avons vécu deux révolutions. La pandémie, qui nous a fait prendre conscience de la vulnérabilité collective, et depuis quelques mois, l'arrivée de l'intelligence artificielle générative et l'explosion de ChatGPT, qui, je vous le promets, n'a pas écrit ce discours, mais aurait pu. Les mutations sont rapides, nombreuses, profondes, et les sciences, la technologie y jouent un rôle prépondérant. Permettez-moi de prendre quelques instants ma casquette scientifique pour
pour vous sensibiliser sur cette question, vous inviter à être curieux et à vous intéresser aux sciences. Les sciences jouent un rôle essentiel dans la compréhension et la transformation du monde. Cela sera encore plus vrai dans un environnement plus numérique, plus complexe et plus technologique, comme nous le vivons aujourd'hui. Si toute activité économique a pour vocation de créer de la richesse, une réalité qui n'est pas à occulter, les missions d'une entreprise vont bien au-delà et je voudrais vous partager à ce sujet quelques convictions générales. You are an energetic, committed, sometimes rebellious generation. You are aware of the great challenges of our time. I believe you will be instrumental in transforming our world for the better. Your degree will open doors for you so you can access the best opportunities. It is therefore up to you to use it wisely, to work hard to contribute to this change you're asking for. Living here, you will have the best tools in your hands and the floor will be yours. But with great privileges come great responsibilities. I was told this when I was your age, sitting in that room a few kilometers away, and I'm going to repeat it again today for you, because I have actually really understood it only over time. When I joined Orange as CEO last April, of course, I felt a lot of emotions, excitement, and pride. But above all, a profound sense of responsibility. When I started work, my colleagues were all saying the same thing. Congratulations. But then shortly after, good luck. But yes, I'm fine. Heading up a company like Orange is a huge honor, because what our 135,000 employees throughout the group achieve every day is admirable. I will spare you the detailed overview of life within a telecom operator, but enabling 280 million people across 26 countries to communicate via mobile and to connect to the internet is just phenomenal. Regardless of the size or the sector, running a business is a heavy responsibility. Some of you may want to start your own business, something dear to you, and that's excellent news. I can offer the following advice. Don't just count on yourself, but really count on others, your teams, your customers, all your stakeholders. Otherwise, you will be on the wrong track. You can also decide to join a company, whether a multinational, a startup, or a small enterprise. There is no perfect model. Just as we understand your needs, we need each other to achieve rapid and essential transformation. The world is complex and the issues are often contradictory. Profitability and sustainability, for example, go hand in hand, even though it may not seem obvious every day. But you will play a major role to put it in action. We are counting on you to contribute in a constructive way, to propose new solutions, to take risks, to manage and deliver projects that are close to your heart. Transforming the world also requires reaching out to ensure others find their place. You and I share the luck of having had the chance to access the best education. It is therefore up to us, the luckiest, the most privileged, and the best equipped
to make room for minorities, for those who have no voice in the matter. We have to fight discrimination, whether social, geographical, or gender. Diversity never appears as the straightest or the easiest road, yet it is unquestionably the richest road. I invite you to look beyond the boundaries to people who are not exactly like you, who have neither the same background nor the same priorities. Stand up for what's right. Fight for a more inclusive world where everyone feels heard and can succeed, and you will build solid and sustainable structures. We must also urgently, really urgently, make changes to respond to the climate emergency. This has to be a priority. And even though the subject is sometimes divisive and explosive, we all must work together on this. We must all make efforts and sacrifices and be humble enough to recognize that no one can act alone or transform consumption habits without difficulty or adjustment. We need everyone, citizens, public authorities, large companies, SMEs, startups, associations, media, to drive and accelerate change and achieve concrete results. There is so much to do, whether changing consumption habits, switching to renewable energy, adopting technological innovations, or finding new business models, such as circular economy. Business leaders, teachers, parents, or young graduates just starting out, let's all join forces. Alors, je conclurai par quelques mots en français, avant de donner la parole à trois, paraît-il, de vos camarades. Je voudrais bien sûr vous féliciter une nouvelle fois pour le chemin parcouru. Votre présence sous cette tente est la preuve de votre capacité à vous donner les moyens de réussir. Mais c'est aussi une chance qui vous oblige désormais. Alors pour ce nouveau voyage qui commence, à vous d'utiliser la même énergie et la même détermination pour faire vôtre la phrase de Stefan Zweig, « Toutes les fois qu'une génération résolue se met au travail, l'univers se transforme. » Je vous souhaite bon vent à tous.